Non mais à chaque fois c'est la même chose. Je suis contacté par l'équipe de Jenser et quand je découvre les nouveautés, je suis vraiment impressionné. Là ils ont encore élevé le niveau pour les créateurs de contenu qui utilisent Jenser sur DaVinci Resolve. J'ai pu tester la version bêta Jenser 7.0. On retrouve les outils passionnants que je vous ai présentés dans une précédente vidéo. Mais on retrouve aussi des améliorations très utiles pour une utilisation encore plus simple, efficace et de petits changements dans l'ergonomie. Le Jenser Core Engine a été repensé et un nouvel outil d'endommagement du film a été intégré. Et c'est pas fini, ils ont rajouté de nouveaux profils d'outils directement disponibles pour une plus grande précision dans l'application des effets. La taille maximale du grain a été augmentée pour une meilleure qualité d'image. On va pas se mentir maintenant. Jenser est établi et devient incontournable si tu veux pousser ta colorimétrie à un niveau supérieur. Ok, à partir du 1er juin, le prix de Jenser Pro va augmenter. Il va passer de 399$ à 449$. Tu peux aussi utiliser le code promo EACTION10, ça nous aide à développer notre chaîne. J'espère que tu es impatient de découvrir les nouvelles améliorations et nouvelles fonctionnalités de Jenser Pro. A très vite dans nos prochaines vidéos de notre voyage aux États-Unis.